Et re tout le monde et bienvenue à vous sur YouTube pour ce premier live et bien du jeu Inside qui n'est autre fait que par le créateur de Limbo. Dans la continuité de la soirée, nous avons fini donc in Limbo et nous allons donc commencer ce petit jeu que tout le monde me réclamait, que pas mal de YouTubeurs a fait ou sont en train de faire, à savoir le jeu Inside. Je vais m'assurer auprès du chat que tout soit ok. Normalement, je pense hein, qu'il n'y ait pas de soucis. Et le temps d'avoir ça, on va lancer le jeu. J'espère qu'il n'y aura pas de mise à jour. Donc toujours Playdead, hein, qui est toujours sur ça. Vous avez vu, c'est... Waouh! Bon, moi, il n'y a pas de mise à jour. J'ai envie de dire, tant mieux! Hein? Ah. Alors, appuyez sur un bouton. On est sûr de vouloir faire ça? Go. Vas-y, charge le jeu, charge, charge, charge. On dirait la même configuration, quoi. Allez, vas-y le jeu. En tout cas, j'espère que le jeu va vous plaire. On est parti pour à peu près 1h30, voire 2h de vidéo. Et puis, bah écoutez, je suis toujours preneur de vos conseils. Rassurez-vous. Alors par contre, le temps de chargement est un petit peu long. Je suis en train de regarder via le retour. Ok. Ah, c'est Limbo 2, quoi. Vas-y. Ah! Déjà, c'est de la couleur. J'aime bien. Déjà, pas si mal. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. On peut sauter. Et que ça. Ok. Go, 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 go. Ce serait pas le. C'est pas le héros de Limbo, non? Tout est ok, Falken. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup, Nalita. De me confirmer. Ok. Oh, par contre, les animations, elles sont jolies, regardez. Quand on court là comme ça le long du tronc d'arbre, c'est joli comme tout. Est-ce qu'il y aura des objets à collecter? Je n'en sais rien si j'appuie sur Start. Ah, ok. Donc il y a le même système de progression. Ok, pourquoi pas. J'ai envie de dire. Bonne soirée à toi, Joker. Merci d'être passé. Et bon week-end à toi. Quoique, je crois que tu live demain, si je me trompe pas. Ok. Ok, donc là, mode furtif. Activated. Oh, c'est bien fait, là, le rapport 2D, 3D avec les décors. Plus tu vas avancer, plus tu vas détester ce jeu. Pour l'instant, ça va. Il est bien. Je crois qu'il y a... Parce que j'ai juste vu un trailer de ce jeu, hein, je ne me suis pas fait spoiler. Je crois que c'est basé aussi sur l'infiltration. Tu as deux fins au jeu. Ok. Bon, je vois que déjà, il y a des gens qui l'ont fait. Et j'aurais justement des théories à vous donner sur ce jeu, car c'est dur à comprendre la fin. Déjà, oula. Passe maintenant. Ok. Vous voyez, ça c'est cool au moins. Je vois. Enfin. J'aime bien ce genre de phase de jeu. Ça c'est cool. J'aime bien. Voilà. Je suppose que tu vas. Ah, mais c'est vachement bien fait ça! Ah, il y a un rapport 2D-3D comme ça. Oh, c'est cool ça! Ah, ça c'est bien fait! Alors, par contre, il va falloir, ouais, certains objets on va pouvoir interagir et d'autres non, quoi. Ça me fait beaucoup penser, je sais pas, pour ceux qui étaient là, genre à une séquence de Fahrenheit. Vous vous rappelez quand on était avec les enfants quand ils étaient petits? Ok, donc je joue toujours avec deux boutons, hein. A pour sauter et X pour interagir. Ok. Est-ce que ça, je peux le porter? Oui. Et j'en ai même besoin. Ok. Ah, c'est pas mal cette vue de... Aux deux tiers, aux trois quarts, je sais pas comment dire. J'aime bien.
C'est plutôt cool pour l'instant. Ok, j'ai l'impression qu'on est, on doit échapper. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. What? Vite, 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 vite. Oh la vache. De peu, hein. Waouh. Je sais pas ce que vous pensez du character design, mais... très sympathique, hein. Bluffé, hein. Bluffé, bluffé, bluffé. Est-ce qu'on pourrait juste... attention aux chiens, ils sont pas gentils dans ce jeu. Ouais, ça paraissait logique quand j'ai entendu. Ça m'a fait possible Beyond Two Souls, il y a une séquence comme ça qui se passe dans la forêt avec la course-poursuite, quoi. Avec Jody. Il est classe et je trouve que... ouais, ça... ça va, c'est bien. Le jeu est beaucoup plus gourmand, hein. Heureux Onox. Je me délecte d'avance de voir Falcon mourir. Alors, d'après ce que j'ai compris, il y a certaines phases qui ont l'air assez compliquées. Ouais, là, mon coco, faut vraiment que t'avances, je crois. Que tu fasses du genre ça. J'avais envie de vous dire, c'était... alors, il va beaucoup falloir jouer, j'ai l'impression. J'aime beaucoup les graphismes, moi aussi. J'ai l'impression qu'il va falloir beaucoup jouer par rapport aux éléments 2D, hein. Et c'est pas pour me déplaire. C'est pas de la 2.5, oui, c'est ça, Wivares. Je pense que t'as compris et tu résumes mieux que moi. Regardez le petit détail, enfin c'est... on dirait limite un petit chinois là, avec ses chaussures. Tu quittes un jeu en noir et blanc pour un jeu en noir et blanc? Non, il est pas autant en noir et blanc, quoi. Ok. Alors, attention. Le problème, c'est que là, je vois rien du tout. Go, hein. Oh oh, je crois qu'on va mourir. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Go, 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 go. What? Oh! J'ai envie de dire que j'ai l'impression qu'on est obligé de se faire voir. Hein. J'ai peut-être rien dit, alors attendez. Est-ce que j'ai un élément ou quelque chose pour m'aider à me dissimuler? Et si on l'emmène par là? What? Mais attendez, mais il court trop vite! Ah ouais, mais jamais je me serais attendu qu'ils auraient tiré sur un gamin, quoi. Bon. Je pense qu'on est obligé de se faire repérer. Aïe! Mais laisse-moi tranquille, il va me noyer. Il va me noyer. Hop. Ok. Attendez, mais... attends un peu, n'avance pas totalement et regarde s'il y a un truc au niveau de la phase de reprise. Ouais, je suis d'accord avec vous. On va attendre. Hein. On va voir. Hein. Tu dois attendre un peu derrière la caravane que la voiture passe. Oui, je suis d'accord, mais... le mec, il court tellement vite, celui qui me poursuit, que...
Ok. Ok. Ok, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Waouh! Mais what? Oh là 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 là. Non! Dit. Suite du scénario ou... Attendez, j'ai quand même allé voir à droite. Du coup. Confirmez-moi s'il y a des choses à ramasser, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le jeu. Ouais. Respire, mon garçon. Respire. J'adore l'effet sous l'eau. Classe. Allez. Ok. J'ai bien envie d'aller voir à gauche. Salut Inframonde, bienvenue à toi sur le stream. J'ai envie d'aller voir à gauche, parce que ça se trouve, il y a un truc optionnel et j'ai l'impression que pour pas se faire repérer, il faudra plonger, ça paraît logique. Donc on va faire comme ça. On va faire comme ça. Regardez la pluie battante sur la sur l'eau, enfin sur... C'est fou. Comme quoi, faut pas de grands jeux, vraiment des AAA pour nous faire procurer des bonnes sensations graphiquement. Hein. Ok, et est-ce que je peux pousser ça? Oui! Regardez. Hop là! Voilà, et donc ça c'est quoi? Ah d'accord! Ok. Donc, d'accord. Ok. Donc ça veut dire que cette espèce de truc extraterrestre, ça servira à ça. Ok. Et comment je reviens? Est-ce que je peux peut-être descendre? Voilà, comme ça. Très bien. Parfait. J'ai envie de vous dire. Pour l'instant, le jeu me plaît. Hein. Je trouve ça... Bon, vous allez me dire, c'est le début. Mais j'aime beaucoup au niveau qualité. Vraiment... C'est logique, ça, pour moi c'est plus logique que la gravité dans Limbo quoi. Il va me dire le mec il est pas logique avec lui-même. Alors j'ai l'impression qu'il pointe que dans une direction donc. Là normalement, ouais, il va falloir que je remonte, dépêche-toi mon garçon. Voilà. Ok, on va quand même rester comme ça. Regardez, là, ça on dirait un petit été fait à la Uncharted. Oh, le cochon. Vous avez vu les cochons? Si tu les as tous à 100%, tu auras un aperçu de ce que tu auras à la fin du jeu. Ouais, c'est ce que je me dis. Donc, en gros, la vérité, quoi, la vraie fin, quoi. Ouais, l'eau est super bien faite, je suis d'accord, Spignon. Mais que ce soit en termes de pluie... Oh là là, on va aller dans... La plantation de maïs. Ah, ça, c'était pas mal. Alors, techniquement, là, ça me plaît. Hein. Bluffé. Vraiment. Alors, je me méfie parce qu'il y aurait peut-être un mec avec une lampe torche hein, qui pourrait surgir à n'importe quel moment. Là c'est génial. C'est juste génial, quoi. Vraiment, il n'y a rien à redire. Ah, je suis bluffé. On va juste un peu profiter. T'as remarqué que l'enfant n'a pas de visage.
J'ai pas porté attention en même temps, vu la caméra. Oh, c'est des poussins. Ah, c'est mignon. La caméra est trop loin pour que je puisse répondre. Wow, regardez tous les cadavres. C'est la mafia, ces gens limite. Oui, regardez tous les cadavres. Voilà, on est dans une ferme américaine. Ok, alors tu fais. Hop là, et ça. Merci. Ok. Très bien. Est-ce que je peux ouvrir? Ah! Ah! On peut les faire venir. Bon, à mon avis, il va falloir quelque chose avec eux. C'est le poussin Piou. Et le poussin Piou! Alors, regardons, interagissons. Ok, peut-être remettre le courant. Je sais pas du tout ce que je fais. Hein. Ok, faut peut-être. J'ai l'impression que ça met quelque chose sur le sol. Les innocents sont toujours les premières victimes. Alors là, je ne peux pas interagir. Donc la manivelle qui sort à répandre du ma des céréales, peut-être, je sais pas. Est-ce que je peux faire autre chose ou pas? Peut-être remonter. Hop là. Faut envoyer les canaris dans l'aspirateur. Je peux pas les prendre, non. Ah ok! J'avais pas vu l'aspirateur. Ok, autant pour moi. Donc en gros, venez avec moi les poussins Piou, venez avec moi, venez, venez, venez. Attends, mais c'est horrible comme jeu. Venez voir papa, voilà. Venez avec moi, on est bien chez Falken. Et on est parti. Vite, 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 vite. Mais c'est horrible! Ah non! Oh! Attends, j'aurais pensé que ça les aurait broyés en fait. C'est pour ça que je disais que c'était horrible. Wow! Classe! Ok. Vraiment, pour l'instant, très bon. Hein. Rien à redire. Tu sautes comme ça? Parfait. Oh non! Le jeu en lui-même est gore. Du moment qu'on est prévenu, je pense que c'est ok, mais. Ok, tu prends ça.
Ça me fait penser aussi beaucoup au jeu Deadlight. Dying Light, Deadlight, ouais c'est ça, Deadlight. Que j'avais fait de mon côté, j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Vous savez, ce rapport aussi dans, qui se passait dans les années 50, 60 et en 2D pareil. Les poussins sont bien rembourrés, faut croire. Hein. Ok, est-ce que je vais pas pouvoir passer en dessous? Ah non, je peux carrément... Ah, c'est bien fait ça. Regardez la boue sur les au niveau des jambes, c'est bien fait. N'hésitez pas à passer en 720p hein, parce que... Bluffé. Hein. Bluffé graphiquement. Pourquoi par contre tous ces... Ah putain! Ah, tu rigoles là? Ok, olé! Ok, alors toi tu vas m'ouvrir le passage ici, tu vas être un bon cochon. Voilà. Merci! Ouh! Il y a mes voisins qui font les Indiens. Ok, bon. Allez, on continue. Ah, est-ce qu'il est encore là? Ok, va chercher le truc là-haut. Non. Oh non. Et après? Oh. Ah non. Non. Quoi? Attendez, je déplace les gens là. Quand je vais sur la droite. Ah, faut peut-être les libérer, voilà. Putain, c'est trop classe! Ah. Je comprends pas ce qu'il faut faire, c'est ça. Ah, et comme ça, d'accord. Allez. Alors, attendez. Je me souviens bien que tu avais une fin secrète dans les champs de maïs, mais avant la ferme, tu savais interagir avec une trappe dans le sol. Ouais, mais en gros, fallait savoir qu'elle y était, quoi. Mais merci pour l'info, comme ça, je regarderai si je refais le jeu de mon côté. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il lève pas au bout. Pourquoi ? Ok. Bien. C'est classe. On dirait qu'on les dirige par télépathie. Pourquoi ils veulent pas là? Allô? Ah d'accord. Ok. Waouh! Eh bah dis donc. Ce jeu, plus j'avance, plus je l'adore, quoi. Vraiment. Il y a une logique qui est vraiment très appréciable. Ok. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire ici? Nope. Par contre, là, c'est obligé. Ok. Avant que ça se referme. Ça faisait tellement penser à ça, ouais, Don't Worry Be Happy pour les gens qu'on contrôlait, vous avez bien raison. Et il me... Mais regardez l'effet qu'on a de brouillard, là. Très sympathique, hein.
Vraiment très 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 sympathique. Alors, non, j'appuie à chaque fois. Oh là, regardez les corps. Enfin, on dirait des zombies à moitié. D'ailleurs, regardez à chaque fois le héros quand il se penche. Hein. Ça, à mon avis, c'est quand il y a quelque chose à vraiment regarder dans le détail en arrière-plan. Ok. Alors, tu prends ça. Non. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, on peut rien faire. Alors, du coup. Bah, tout simplement comme ça. Je sais pas pourquoi je me suis pris la tête. Hein. Voilà. J'ai envie de vous dire. Mais est-ce qu'on aura assez d'élan? Oui. C'est un petit chinois, là, lui. C'est un petit chinois. Vous allez voir. Est-ce que dans le chat, vous avez fait le jeu ou pas? Merci de me le préciser. Comme ça, je pourrais savoir un petit peu. Alors, par contre, là, un petit effet à la Prince of Persia. Hop là. Parfait. Ah, c'est le retour des poussins. D'accord. Tu montes. Voilà. Oh, c'est le retour des poussins. Du poussin Piou. Oh là, non. On les a fait fuir. Ils veulent plus jouer avec nous. Non, ils veulent plus. Ok. Bon, écoutez. Pas joué, mais regardez, d'accord. Non, pas fait. Alors, avant. Tu vas d'abord aller ici, en faisant attention de ne pas tomber. Ok, donc il faut aller à gauche, je suppose. Est-ce qu'on a quelque chose sur la droite en haut? On va regarder ensemble. Non. Je pense que c'est le suicide. Inconnu au bataillon, d'accord. Et Bobby qui l'a fait. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a moyen de. Ok, donc ce que je veux moi, c'est ça. Ok, donc on va appuyer sur le bouton, on va voir ce que ça donne. Hein. Ok, donc je peux juste le lever. Maintenant, le truc, c'est que je suis bloqué par les deux poteaux en bois. Reviens dès les poussins. Ok. Si je le mets tout en haut, ça me sert à rien. Je vois pas. Est-ce qu'il y en a quelque chose en bas qui pourrait nous aider? Que j'aurais pas vu au cas où. Non, rien du tout. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Hop là. Et ça va être le genre de circonstance des fois où je vais pas voir les éléments du décor avec le côté 2.5 hein, de D3D. Oh! Alors ça par contre c'est bien. Le personnage qui ne meurt pas instantanément quand il y a. Enfin, il y a des dégâts de chute, je suppose. Mais qui ne meurt pas automatiquement. Ça c'est plutôt cool. Donc non. Non. Ok. Est-ce que tu peux monter? Non, tu peux pas. Ok. Et là. Ok. Ah mais c'est bon, je l'ai. Je suis débile, moi. Genre comme ça. Peut-être que c'est pas la bonne distance, hein, mais. Genre ça. Non. Donc un petit peu plus bas. Voilà.
Bouge la planche à droite et ensuite lève-la, puis monte et saute et libéré. Moi, je voyais pas ça comme ça. Un truc. Non. Ok. Et il veut pas. Ah, mais non, mais je suis con, moi. Il y a de l'idée, mais. Je dirais. À fond comme ça, voilà. On va essayer. Peut-être comme ça, mais. Moins que ça soit dans l'autre sens. Non, c'est ça dans l'autre sens, non? Comme ça. Attends, il y a quelque chose que j'ai pas compris là. Non, là, ça passe pas. Ça passe pas du tout. J'aimerais bien finir cette énigme, mais après on partira en pause. Hop. Moi, je le vois bien à fond comme ça. Hop, 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 clac. Tu fais ça. Ça. Un petit peu plus haut, peut-être. Voilà. Voilà, parfait. Il y a l'idée, mais ça tombe à plat. Référence à quelqu'un? Peut-être. Oh non! What? Ah ouais, ok. Ok. Fais ça et tu bouges. Ouh. Ah. Ok. Allez, on va aller dans le trou et après on fait la pause, les amis. C'est pas une énigme à la base. Bah, si, quand même. Je trouve. Ok. En haut. Ok. Et si t'interagis? Ah d'accord. Ah bah, d'accord. Très bien. J'ai envie de dire. Et normalement 70, j'ai encore. Je veux mon succès. Bah. Mon succès! Ah. Ok, allez les amis, je vous ai dit qu'on partait en pause. Je vous dis donc à tout de suite, à dans 5 minutes.
Et re à toi sur la Web TV de Level Down pour cette deuxième partie du Let's Live sur Inside. Première partie, est-ce qu'on fera le jeu en entier? J'ai cru comprendre, le jeu se terminait en 2 heures, si je me trompe pas. Dites-le moi en commentaire. Bah écoutez, on va voir, je vous rappelle que je le fais en totale découverte avec vous, que le jeu est sorti fin juin, donc il y a quasiment un mois. Et écoutez, je vous propose qu'on reprenne les commandes de notre petit chinois préféré. Allez, go! En tout cas, merci à vous dans le chat, vous êtes actuellement 56, plus ça va et plus on augmente. Ça fait super plaisir. Allez, on y va. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de métro. Alors. Donc on a encore ce truc, on va devoir... Ok, donc là c'est bloqué. Ok, si je fais ça. Voilà. Attendez. Là, je vois que... Ok. Comment je fais pour... Voilà. Et ça... ouais, je... Ah bah, attendez. Hop là. Ah, ok. Sauf que le deuxième... Ah, 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 ah. Ok. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'est bon. Je l'ai. Alors j'espère. Voilà, tu refermes ça, s'il te plaît. Merci. Tu reviens ici. Et écoutez, on y va. À fond, et maintenant comme ça. Et normalement, voilà. Putain, Falken qui réfléchit bien. Mais waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? S'il vous plaît, quel talent! Allez, on continue. Le character design est vraiment magnifique sur ce jeu. Il y a vraiment, vraiment, vraiment rien à dire. Ok. Je vais pas tenter la chute, non? On continue alors. Parce que je vais aller sur le côté gauche. Hein. Salut à toi, Tiga, Titi Galaxy. Bienvenue à toi sur le stream. Comment ça va? Et le jeu, en effet, est un beau jeu. J'aime bien. Pour l'instant, il me... Oh non! Le retour de l'électricité! Vous savez. Hop là. Parfait. En haut ou en bas? Il y a de l'idée. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Je sentais bien qu'il y avait un truc en bas. Hop là. Après, du coup, tu fais... Yatané.
Voilà. Tolkien découvre le neurone. Vous êtes tellement des trolls. Vous êtes tellement des trolls. Voilà. Je veux mon succès. Ben voilà. Active-toi comme il faut. Économie souterraine. Ça prend confiance à voir ensuite. Tu as laissé les neurones de Banano au placard de Limbo. Oh, c'est tellement méchant ça. Regardez, on dirait qu'il y a le mec en torche qu'on avait vu là avec les véhicules qui contrôle justement l'espèce de zombie là, bizarroïde. Alors par contre, tu vas faire ça, ouais, et ça, s'il te plaît. Parfait. Oula. J'espère que le son, vous l'entendez assez bien. Ce serait plutôt cool. Waouh. Ah, attendez. L'échelle, là. Je peux ou je peux pas? Est-ce que tu peux faire quelque chose, petit garçon? Non. Non, c'est juste du décor. Vois pas à chaque fois. Quelque chose qui n'est pas accessible. Hop là. Franchement, au niveau sauce, c'est un kiff total. Vraiment, sachez-le. On progresse bien, j'ai l'impression, donc. Tu fais ça, mon petit garçon. On va descendre complètement. C'est Space, on dirait The Walking Dead, quoi. Non, vous en pensez quoi? On dirait, ouais, The Walking Dead, quoi. Alors moi, ça me fait penser à ça. C'est peut-être pas des zombies, hein. Regardez, en termes d'animation, ce jeu, il est aimé. Ok. Hop. Très bien. Bonjour, monsieur Laura. Comment ça va? Et vous-même? Ok. Tu fais ça? Non. Déplacer l'échelle. Parfait. Du coup, hop là. Ça se fait logiquement et c'est ça. Ah, attendez. Ah, j'aurais pensé qu'on aurait pu. Ah non, d'accord. Qu'on aurait pu traîner l'échelle pour monter en haut. Non, pas du tout. Ok, dommage. What? C'est quoi ce truc? Je sens quelque chose du genre où je me suis précipité. Pourquoi? Parce que je pense d'abord qu'il fallait. Voilà, activer ça. Est-ce que je peux passer ou pas? Non, il faut forcément le courant. On dirait qu'il manipule la population pour en faire une armée. Ouais. Je trouve aussi. Il y a de l'idée. Boum. Mais non! Oh mais non! Non, 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 non! Putain, j'étais pas dedans, faut arrêter! Ça a sauvegardé ou pas du coup? Allez, allez, allez. Ouais, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Yeah. Ok. Alors là, je vous voyais directement, moi, je vais placer ma référence, mais Terminator, quoi, je le dis, hein. Je peux pas aller à gauche, hein, non. Alors, vas-y. Sortons du bâtiment.
Ok, c'est sûr que ça allait plier. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y aurait quelque chose en bas? La réelle question est, ces gens sont les seules victimes dans l'histoire. T'avais un orteil qui dépassait dans la lumière. Ouais, ça devait être certainement ça. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. What? What? Non, dingue. Dingue. Un, deux, trois, soleil. D'accord. Ok. Sauter quand on est à l'intérieur du carré. Bonsoir Romano, bienvenue à toi sur le stream. Comment vas-tu? Je trouve cette phase trop classe. Vous savez, on dirait le genre Thriller! Oh merde! C'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Du coup, tu reprends. Alors, interaction quand on est en pause que quand c'est dans un carré jaune. Je kiffe vachement. Et après, faudra. Après, faudra se retourner vers la droite, d'accord. Ok. What? Oh mais non, je pensais qu'on était sur le deuxième. Mince, 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 mince. Ok. J'ai pas compris, pourtant c'est ce que j'avais fait. Hein. Putain, j'ai failli bouger avec les mecs de derrière. C'est trop classe quoi. Trop trop classe. Ouais, c'est des zombies, écoutez les bruits.
J'adore, je kiffe totalement là. What? Ok, c'est parce qu'il fallait que je me casse. Waouh! Je sais pas vous, mais alors cette séquence était vraiment hyper classe. Vraiment. Mais non, 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 non. Voilà, il va faire le tour et maintenant, au revoir! Salut! Vite, 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 vite. Oh! Trop bien. Vraiment trop bien. Du coup, voilà. Tu te dégages de là. Merci. Je kiffe ce jeu. Je kiffe à un point vraiment. Alors la caisse, du coup, à quoi ça va nous servir? Peut-être à faire ça. Sauf que... Il me faut une deuxième caisse ou quelque chose, là, du coup. Non? Et tu peux pas pousser celle-là. Ah! Attendez. C'est bon. Peut-être que... Il faut que tu fasses comme ça, justement. Hop là. Non. Hop. C'est cool la technologie, oui. Peut-être ça, voyez ça. Non, justement, tu prends ça. Voilà, tu décroches ici. Non, non, mais non, non, non. Oh là 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 là. Voilà. Tu enlèves. Non, mais non. Bon, quoique, bah c'est bon. Du coup, on va pouvoir l'avoir. Ok. Tu pousses la caisse jusqu'au bout. En fait, il y a plusieurs interprétations du jeu. Pour moi, le héros est semblable aux zombies et qu'il aurait acquis une conscience et qu'il essaie de s'évader tout en suivant ses semblables. Peut-être qu'aussi c'est le fait d'une maladie ou quelque chose et qu'il n'a pas été touché. Ça peut être ça aussi. On peut supposer. Hop. Allez, vas-y, mon petit zombie. Vas-y, 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 vas-y. Sois un bon mignon petit zombie. Alors. Si je fais ça et je le fais venir juste comme ça, qu'est-ce que ça fait? Là, j'ai peut-être envie de vous dire... Ah, il y a une corde, je vois, mais... Je teste. Hein. Ah, regarde... Oh, regardez!
Ok, est-ce que tu pourrais pas faire ça, ça et ça? Ok. Manipulé par quoi? Telle est la question. Ouais, je suis d'accord. Voilà, tu fais ça. Voilà, c'est bien ce que je me disais, voilà. Tu fais ça. Et tu le pousses. Voyez, ce genre d'énigme, je trouve logique. Je sais pas pour vous, est-ce que vous les trouvez plus simples ou pas, mais... Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus logique, quoi. Ok, donc du coup tu fais ça. Ok, ça se referme. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire ça. Du genre... Eh, j'ai pris des réflexes par rapport à Limbo, hein. Une double manipulation, ouais. C'est tellement classe. Waouh! Oh, super! Alors, on va regarder au cas où, hein, s'il n'y aurait pas quelque chose. Quand on va faire attention. Ouais. La vie, la vie, la vie, la vie. Voilà. Tout à gauche, est-ce qu'il y aurait quelque chose? J'ai pas l'impression, mais j'ai l'impression qu'on pouvait tirer là sur la. Au niveau de la. La caisse en bois, enfin la caisse en bois. La palette. Vas-y. Alors vas-y. On sent gros comme une maison. Je vais quand même regarder au cas où s'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait nous intéresser dans l'eau. Genre un secret ou quelque chose. Ouais. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Wouah. Est-ce qu'il n'y aurait pas un secret à un moment ou un autre? Je ne sais pas. Encore une fois, je découvre le jeu, hein, je vous rappelle. Et en même temps, on n'a pas une compétence pour, comme Link, nager un petit peu avec le costume Zora bleu, bien sûr, à l'infini. Hein. Ok. Qu'est-ce que vous préférez dans le jeu? Vous préférez... Genre, moi j'aime beaucoup les énigmes de la manipulation là, avec les zombies. Je trouve ça trop trop classe. Vraiment. Ok. On parie que l'eau va remonter. Ok. Je veux checker sans l'eau. Ok. Est-ce que je peux interagir? Non. Alors. Là. Est-ce que je peux bouger avec ça ou pas? Il n'y a même pas besoin. Pour moi, c'est l'ambiance. Ouais, je suis aussi d'accord. Ok. Donc, à mon avis, déjà, on sait clairement ce qu'il faut, c'est à passer à droite. Ça, je le comprends. Là, j'ai pas le temps. On est d'accord. À moins que. Et quelque chose à faire avec cette chaîne, on va voir. Ouais, le tout. Le tout. Le tout est pour l'instant une bouffée d'air frais, ça fait du bien. On va voir ensemble.
Et donc là, on revient dans la salle d'avant, c'est ça? Oui. J'ai rien pour m'aider. Ok, ça ne souffle que quand il n'y a vraiment plus du tout d'eau. On est d'accord. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'aurais pas vu et... Non, je peux vraiment pas interagir. Oh là, première vraie énigme, j'ai l'impression. Tu vas être rodé pour les énigmes de God of War maintenant. Ok, oui. Oh, excusez-moi, je regarde juste quelque chose. Ok. Question de timing. Je suppose, mais il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu. Je me dis surtout ça. Pourquoi? Ah, attendez. Ok. Regardez là. C'est moi ou... Il y a un truc où on peut aller. Non, pas du tout. Allez, vas-y, vas-y, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Alors là, je sens que ça va être la première vraie énigme. Hop. Attendez, c'est moi ou... Non, j'aurais pensé qu'on pouvait utiliser un élément pour bloquer. Non. En fait, le truc... Faut qu'il y ait plus d'eau ici. Sur la droite, je crois. Et la porte, on va regarder si elle est ouverte ou pas. Tu peux passer à droite quand l'eau redescend. Non, c'est bloqué. Mais en effet, là, en gros, il faut qu'il n'y ait pas d'eau pour pouvoir... Je regarde s'il n'y aurait pas quelque chose. Vous voyez, là, elle se... Ça se referme à chaque fois comme ça. Alors. Au niveau de la trappe qu'on a interagi, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Non. Alors, comment ça pourrait se passer? Tu dois arrêter l'eau avant qu'elle atteigne la porte, car sinon ça la ferme. Une question. Ah. Ok. Ah, mais non! Je peux pas la laisser à un niveau. Ah, attendez, je l'ai. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je l'ai. Vas-y, remonte. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Logiquement, je l'ai, mais je confirme pas. Ok. Allez, vas-y, 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 vas-y. Voilà. Parfait. Ouais, j'ai eu vos astuces après. Hop là. Oh, c'est très noir ici.
La lumière, c'est possible, messieurs, ou... Hop. Ouais. Ah ben oui, la caisse, bien sûr, pour monter sur... Bah oui, ok. Ok. Fatigué, non, mais j'essaie juste de chercher les choses un petit peu... Avec logique. Genre, vous voyez, il faudra le positionner ici. Là, on va remettre l'eau, bien sûr. Et ça devrait monter. Hop là. Alors par contre, je vois pas l'intérêt de proposer une trappe sur la gauche en fait. Oh, le train. J'aime bien. Ok. Alors il y a un moment. Oula. Ok. Ok, fais bien attention. Ok, maintenant. J'espère qu'il vient pas. Ouais. J'ai pas compris qu'il fallait tourner. J'ai pas compris, je vous le cache pas. Donc surtout tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, le joystick gauche, à fond les bains. Ok. Allez, maintenant. Oh, faut vraiment que j'aille beaucoup plus vite. Eh oui, Otalia, j'ai fini Limbo avec de la classe et beaucoup de satisfaction. Lol. Est-ce que ça irait pas plus vite si j'irais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Hop. Non, mais putain. Ah. Ah. On peut le faire en plusieurs fois. Ah. Putain. Mince. Ah, dégoûté. On était tellement bien arrivé. Ah, je pensais que ça passerait, vous voyez. Même, je le ferais même en trois fois, vraiment. Hop là. Pour être sûr, je vais le faire en trois fois. Hop là. J'aime beaucoup le jeu aussi avec l'environnement sonore. Très sympa, hein. Ok. Ok. Oula.
n'y a qu'un seul moment où on peut passer. Oh la vache. Oh la vache. Ah. Je vais me faire repérer. Oh non. Bien. Parfait. Prends ton temps, mourir va te prendre plus de temps. Une belle petite répétition. Répétition, ouais, tout à fait. Y a quelque chose en haut? Y a rien du tout. Allez. Ah comment? Ah, ça doit faire trop mal aux mains. Ça doit faire vraiment hyper mal aux mains, ça. Allez, lâche, bonhomme. Ok. Rien du tout. Hop là. Ah non, pas d'électricité, hein. What the fuck? C'est quoi ces machins là-bas? Ah, c'est des chiens. Ok, on sait pas faire pérer, nickel. Mais what? Putain, il me faut peur en plus ce truc. Hop là! Rien sur la gauche, rien sur la gauche. Par contre, c'est dégueulasse, on est dans les sortes d'égouts là. Je regarde quand même au cas où, hein. Il est au niveau vraiment graphique ce jeu. Top, 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 top. Vite, 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 vite. Ça fait croquer. Waouh. Alors. Viens voir par là. What? Mais what? Ok, à tout de suite, Dubois. Est-ce que je compte finir le jeu ce soir? Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir charger. Oh, on n'en est pas encore tout à fait à la moitié, hein, j'ai l'impression. Hein. Vous voyez, sur toutes les barres. Alors, moi je me dis, les amis, il faudrait peut-être faire quelque chose, regardez. Faut l'attirer. Wouf, 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 wouf. Vas-y, viens. Vas-y, viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Ok. Nage le plus rapidement possible. Et tu cours, run for your life. Run, 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 run. Run for your life! Oh la vache! What? Hop là. Et comme ils vont arriver là, nous on fait ça! Et on fait hop là! Maintenant vous faites tous le tour et vous dégagez. On va attendre quand même qui. Oh là! Attendez. C'est un chien qui est arrivé par là, oh. Ne te fais pas croquer, bonhomme. Vas-y. Non. Oh la vache. Oh. Oh là là. C'est à toi, Servinsky. Bienvenue sur le stream. Oui, je suis encore très loin de la fin, ça paraissait logique.
Alors par contre, ouais, je peux gagner du temps en faisant ça déjà. Hop. Alors, tu veux vraiment que je fasse ça à chaque fois? D'accord, donc faut vraiment attendre qu'ils viennent en gros. Les trois. Et après je fais ça. C'est là qu'on s'est fait croquer, putain. Ouais. Ouais, non, 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 non. Genre, faut vraiment attendre. Voilà, qu'ils viennent comme ça. Voilà, parfait. Et là, on a le temps. Allez, vas-y. Vas-y, mon gars. Oh putain, il y en a combien à faire comme ça? Ok, faut vraiment attendre en haut, hein, sur le même côté. Hop là. Bonne nuit à toi. Redubois, pardon. Oh bah c'est bon. Ok. Et j'ai... Bonne nuit à Bobby. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Eh, on se tait les chiens. Les fanboys. Les fanboys et les fangirls. Yeah! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors. Mais. Putain, il s'accroche pas automatiquement, ça, c'est, par contre, c'est bien dommage, je trouve. C'est ben dommage. Bon, alors du coup, on va faire un bon vieux Prince of Persia. Bas plus A. Voilà, merci. Hop là. Ok. C'est quoi ça? Reste dans l'ombre, mon garçon. Ok, on va monter dans la truc sous-marine, comment ça se passe? Maintenant. Wow. Classe. Mon Dieu. Wow. Eh ben dis donc. C'était des fan dogs. Les fan dog boy ou girl au choix. Alors, c'est moi où j'avais vu une sorte de. Non, d'accord. Ok, est-ce qu'il faut jouer quand même avec le projecteur pour assurer pas des choses, hein? Genre là. Genre là? Non. Bon bah go hein. Classe. Ça fait penser, pour ceux qui ont connu, à SR Gym, un petit peu cette séquence. Wow, on est parti sur 20 milieux sous les mers là. Voilà. Wow. Attendez, attendez, je check quand même. À droite, à gauche, j'en sais rien du tout. Je vous laisse profiter de l'ambiance.
Bonne nuit Mathias, merci d'être passé, ça fait plaisir. Alors là, je vois quelque chose, mais... fissure. Parfait. Est-ce qu'on ri on se risquerait? Bonne nuit à toi, Talia. Merci d'être passé, ça me fait très plaisir. Du coup, bah nous, Talia, on se voit dans un petit peu plus d'une semaine maintenant, ça fera plaisir. T'arrives quand avant que tu partes, par contre, s'il te plaît, sur Toulouse, du coup, que je sache un petit peu. Bon, allez, tente pas. Y a rien. Ça se trouve, y a peut-être un truc de caché, mais je veux savoir la suite du jeu. Classe. Au moins, il y a un vrai scénario. Il y a une sorte pour moi de scénario, quoi. Ça fait plaisir. Hop. En même temps, je suis un peu nul parce que je me dis, je peux pas sortir. Enfin, si, je peux sortir peut-être, je sais pas. Non. Je ne peux point sortir. Ok, je vois deux. Beaucoup. Là, c'est très très classe. Vraiment. Ok. Alors par contre. Quoi faire? Attendez, c'est moi ou... Mieux que la Tony Zora. Oh oui. Ouf. Je me suis un peu loupé là. Ok, si je vais là-haut. Non, faut forcément passer par ici. J'irai par celle-là, mais... Attendez, on va carrément aller plonger tout en bas et remonter tout en haut, hein. En même temps, c'est très logique ce que je dis. Attendez, qu'est-ce que je comprends pas là? Là, ça te dit en gros que ne passera pas. Ah, attendez. Non. Ok, et je peux sortir. J'allais dire, va tester pour voir si tu peux passer. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux ouvrir, petit garçon? Non. Je vais pas me risquer à aller trop en bas parce qu'au niveau respiration, sinon ça va pas le faire du tout, hein. Ouais, sors de ton sous-marin pour passer les grilles, c'est ce que... Bah, avec le décalage, vous allez voir que... Je l'ai fait. Putain, c'est dégueulasse l'eau. Vraiment. Ok. Alors. Est-ce que tu peux, petit garçon, ouvrir ce qu'il y a en bas ou pas? Allez, vas-y, 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 vas-y. Je ne sais pas, et j'ai l'impression qu'on va mourir. J'ai bien envie de retenter quand même. Vas-y. Go, 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 go. Allez. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. De toute façon, en même temps, vous avez vu la taille du machin. Ça paraissait logique. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah. Tu veux que je monte tout en haut ou... Ah ouais, d'accord. Je m'attendais tellement à ce qu'on récupérerait le sous-marin que...
Du coup, à gauche ou à droite? Va voir ici, on sait jamais. What? Tu déconnes. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a moyen? Non. Du genre, tu fais ça? Boum! Et t'y vas, tu cours, tu voles, tu crois ta vie. Tu fais ça. Et tu plonges! Plonge, 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 plonge. Voilà. Ok, maintenant à quoi ça sert de d'avoir fait ça? Ok, alors, quelle idée? Quelle idée de proposer ça? On va pas tarder à faire la pause d'ici 2-3 minutes à peu près. Boum! Allez, vas-y, go, 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 tu sautes et tu tiens ta vie et tu plonges surtout pour pas subir de dégâts. Ok, est-ce que je peux le prendre ou pas? Je peux pas interagir. Vulcan qui redécouvre le rouleau à pâtisserie. Exactement. Le truc, c'est que j'ai pas assez de respiration pour aller interagir avec. Oh oui, non, mais laisse tomber. Remonte vite. Ok. Sauf que, mais oui, maintenant que c'est parti, je peux remonter et aller voir ce qu'il y avait. Hop. Allez voir ce qu'il y a, bien sûr. Ok, c'est tout simple. Tout simplement ça, d'accord. J'ai envie de dire pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je peux pas le déplacer. Nope. Ok, donc on a forcément besoin. Je vois un voyant là-bas. Je sais pas à quoi ça pourrait me servir. Je ne vous le cache pas. What? Est-ce qu'il y a moyen que je le déplace ou pas? Non. Ok, donc tu le montes à gauche, après. Superman! Sauf que je me suis complètement loupé. Ok. Eh, vas-y. Superman! Allez! Vas-y, fais Superman! Voilà, merci. Parfait. Ok, j'avais envie de vous dire ouais, pourquoi pas, mais à quoi ça nous sert, quoi. Vous sentez le truc, oui. Mais non, c'était trop nul. Oh non! Oh non! Eh, vas-y, refais Superman.
La la la, la la la, la la la, la la la. Et voilà. Ça fait plaisir. Alors, ne refais pas la même bêtise et surtout, saute sur la corne. Ok. Après, tu veux que je fasse ça? On va prendre plus d'élan. Hop là. Et ça passe. Ok. Bonne nuit, Picfil. Merci d'être passé. Ça fait très plaisir. Repose-toi bien. Ok. Très bien. Mais... What? Remonte là-dedans, là. Voilà, et normalement, là, je peux pouvoir sauter, je dirais, logiquement. Voilà. Ah. Ben voilà. Ah. Est-ce que je peux casser? Voilà. C'est classe. Ok les amis, je vous propose qu'on stoppe ici et qu'on se retrouve pour une dernière partie, une demi-heure, trois quarts d'heure. Je vous dis donc à dans 5 petites minutes. Et merci à vous d'être présents.
Hey, re à vous, Level Down. Eh bien, nous sommes partis pour cette troisième et partie finale de ce premier live sur Inside. Les amis, ça va être un test que je vais faire. Pour ceux qui étaient au courant, j'ai acheté un ventilateur parce qu'il faisait vraiment trop chaud dans ma chambre. Hein. Je vous explique, je suis en descente de toit au tout dernier étage de ma maison, donc il fait vraiment très chaud. Je vais mettre le ventilateur. Vraiment, dites-le-moi si vous entendez en fait un bruit vraiment de ventilateur. Sinon, là, je couperai. Voilà. Allez, go. J'espère que ça s'entendra pas trop, surtout quand je parle. Et écoutez, merci à vous pour la fidélité et nous sommes repartis. Ok. Alors, voyons voir. Ok, donc on est, j'ai l'impression, dans des bâtiments sous-marins submergés. Ok, bon, le mec il cherche tout. Heureusement que le truc est incassable, hein, parce qu'avec moi. Bon, alors attendez. Là, il y a quelque chose à faire. Oui. Non, il n'y aurait pas quelque chose à faire. Attendez, si on le pousse de l'autre côté. Voilà. J'aime. J'aime quand je suis logique. Ça fait plaisir. Allez. N'hésitez pas à me dire si vous entendez le ventilateur, surtout c'est très important pour moi, parce que sinon il faudrait que je le pousse tout au fond, quoi. Mais là, j'ai. Franchement, là, je suis mieux, là. Je vous cache pas que je suis beaucoup mieux. Ça fait du bien. Vraiment. Ok. Ah, on va revenir à la surface. Ok. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais là-bas, il y a un truc. Et je pense savoir que, si je me trompe pas, et on est reparti sur M6 pour un nouveau, pour un nouvel 67 minutes inside. Oh mon Dieu. J'aurais pensé que. Est-ce que je pourrais pas faire du genre? Non. Est-ce que je pourrais pas faire ça, par exemple, du genre ça? Ouais, non, je peux pas sortir quand il saute. Ok. Ok. Il va falloir le faire descendre, non? Est-ce qu'il crève ou pas quand il est dans l'eau? Non. Est-ce qu'il peut prendre le sous-marin? Très important. Non. Non. Il peut pas prendre le sous-marin. J'aime les mouvements retranscrits avec notre personnage là, entre le zombie et puis cette sorte de télékinésique. Je trouve ça super sympa. Bonne nuit, Mostarax, je ne t'avais pas vu. Merci à toi. J'espère que mon montage t'a plu, Falken. Oui, très bien, Mostarax. Oui, je l'ai RT, ne t'inquiète pas, si tu es encore là. Désolé, j'avais pas vu que tu étais parti. Du coup. Est-ce que. Ah, mais ben oui. Viens avec moi, voilà. Tu vas venir comme ça. Ah. Yeah. Et tu fais. Boum! Voilà. Très bien. Ok. Tu remontes comme ça. Voilà. Tu interagis, voilà, avec celui-là. Là, tu fais ça. Ok. Très bien. Tu fais ça et est-ce que, s'il te plaît. Ah, est-ce que tu peux pas? Hein?
1-1-1. Attendez, ça ouvrir quoi alors du coup? C'est ouvert quelque chose ici ou... Non, là je reviens sur un truc où il fallait pas. Non, là je reviens sur mes pas. C'est-à-dire que ce serait une zone optionnelle ici? What? Wow! Mais genre, c'était un truc optionnel qu'on a fait! Wow! Attendez, j'observe juste un petit peu la teneur de notre... Ce qu'on pourrait faire. On joue un truc là. Est-ce que je peux sauter par-dessus ou pas? Je peux passer par-dessus, mais il y avait un truc qui m'intriguait là. Bonsoir, Reisen. Je suis le seul mec à rejoindre un live à 7h, sinon bonsoir à tous. Bah bienvenue à toi, il n'y a pas de souci. No soucis. Tu peux... Attends. Est-ce que vous pensez que... Oui, on aura le temps, je pense. Hein. Je vais juste tester ça. Vas-y. Hop, 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 hop. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça ou pas? Oui. Et si je fais ça, ça fait quoi? Ok. D'accord, sauf que je peux plus monter. Ok, donc on a déplacé, on va retourner là-dedans. S'il te plaît, please. Ok. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Parfait. Ok. Alors. Juste checkons avec ensemble ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est bon, non? Alors il nous faut forcément le sous-marin. Ah oh, oui, il nous faut forcément le sous-marin. Quel gogol! Quel gogol! Quel gogol! Ce qu'on va faire, on va sauter. Mais oui, quel nul! Faut que tu laisses là le sous-marin. Igna, tu laisses là. Voilà, tu le laisses là. Tu sors, voilà, t'es content. Tu vas activer et après c'est bon, on pourra passer. Ok! Eh ben ça paraît... Eh, je suis content d'avoir eu la zone optionnelle là qu'on a eue. Parce que pour je crois vraiment que c'était le chemin principal quoi. Ok, donc faut vraiment qu'on soit au-dessus. Allez, go! À fond, à fond, à fond. Je ne sais pas si je fais ça. Si je vais plus vite ou pas. Allez, vas-y, 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 vas-y. D'ailleurs, il faudrait que je teste. Non, je peux laisser mon doigt appuyer. D'accord. Je peux laisser mon doigt appuyer. Très, très bien. Par contre, tu vas remonter, mon mignon. Voilà. Tu passes comme ça, tranquille. Et tu remontes. Essaye. S'il te plaît. Voilà. Ça passe pas. Peut-être plus comme ça. Voilà. Wouh! On a fait le dauphin. Classe. Là, tu pètes la porte. Parfait. Ah, regardez, c'est encore la créature. Parce que j'ai peur qu'elle nous attaque, donc... Attendez, elle veut nous montrer quelque chose? Bah, comment ça se passe? Une fois qu'on est en position où on peut négocier, on va avancer. Ouais, par contre, attendez.
Ouais, ça y est, j'ai compris. Hein? Tu croyais quoi? Tu croyais quoi? Tu croyais quoi? Tu croyais quoi? Attends, 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 attends. Ah, parce que... Hey! Vas-y, retourne ta maison, là. T'as Pocahontas, le machin. Montée ou descente? Montée, je dirais. Donc, descente. Ah, regardez en haut. Regardez en haut, j'ai pas vu. Il y a des planches jaunes. Sauf que faut vraiment... Ok, hey! Wow! Ah ouais. Ah ouais, quoi. Eh, bon. On n'a pas vraiment beaucoup de temps, j'ai l'impression. Je suis en train de penser à quelque chose. Vous croyez qu'on peut faire ça? Voilà. Allez. Je me disais aussi. Boum. Est-ce que vous aviez vu la petite barre ou pas, vous? Personnellement. Est-ce que vous l'aviez vue? Moi, j'avoue que non. Non, 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 non. Et... Bah écoutez, encore une... Faut vraiment bien observer, comme on dit, quoi. Ok. Droite, gauche. Moi je dirais. Va à gauche au cas où, on sait jamais. On sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose de sympathique. Une zone optionnelle. Le projecteur est très bien fait. Hein. Ça me plaît. Du coup, non, j'ai pas l'impression. Non, je suis vraiment tout en bas. Non. Bon, allez, go sur le rivage, tout à droite. En avant, c'était très sympa cette phase, vraiment en sous-marin. J'ai beaucoup aimé. Ce jeu est très classe, hein. Très, 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 très. Il y a vraiment rien à redire. Limite, je suis un petit peu nostalgique de le laisser parce qu'il nous a bien aidé quand même. Dire ce qui est. Faut vraiment dire ce qui est. Je veux te garder. Reste avec nous. Oh, dommage. Boum. Ok. Donc là, on arrive dans une nouvelle zone, je suppose. Vas-y, 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 vas-y. Le jeu se finit pas en 2 heures hein, pour moi parce que je trouve qu'on n'a pas vraiment galéré hein. Et ça fait depuis quoi? Même pas 2 heures qu'on y est là. Enfin si ça fait 2 heures là maintenant. Mais ouais, très 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 sympathique. Y a vraiment rien à redire. Ok, donc tu fais ça. Oula, 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 oula. Ok. Alors toi, est-ce qu'on peut ouvrir ou pas? Non, il a pas assez de force. Ouais, c'est ça. Il a pas assez de force. Ok. Est-ce que je peux interagir? Non. Attendez, il y a quand même quelque chose. Pourquoi?
nous proposer un zombie ici. Je suis dans toutes les directions, mais c'est avec le joystick vers le haut, gauche vers le haut, que... On verra peut-être par la suite. On verra par la suite. Et vous, vous préférez Limbo ou vous préférez ce jeu pour l'instant? Dites-moi tout. On se croirait genre à la limite à Mad Max, quoi. Vraiment. J'ai cru qu'on était poursuivi, quoi. Ok, je comprends pas. Rétablir le courant, peut-être? Non. Je suis dans toutes les directions. Rétablir le courant, je dirais. Oh, que oui. Ok. Alors. Ce que je veux juste, moi, c'est découvrir quelque chose. Oh là, oh là, oh là. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais derrière. C'est un enfant, c'est pas King Kong non plus. XD ou Link. Hmm. 19. Comment ça, 19? 18. Ah, tu peux pas pousser. Tu peux pas le pousser, d'accord. J'ai pas compris cette histoire de 19. Bah, je sais pas. J'aime bien sadiquement et te voir galérer sur plein de jeux et compter les morts et les GG. Ça va, pour l'instant, je galère pas trop quand même. Hein. C'est pas la limbo quand même. Hein. Là, vous pouvez pas dire le contraire. Vraiment. Ok, go voir par là ce que tu peux faire. Ok, donc le truc, on l'avait mis en haut. Là, je fais juste un repérage, vous savez comme d'habitude que j'aime bien le faire. Ok, là, si je comprends, tu reviens sur le niveau... classique, on va confirmer ça. Exactement. Après, tu le mets en bas, s'il te plaît. Merci. Et donc, tu descends. Bonne nuit, Alfira. Merci d'être passé. Ça fait très plaisir. Bonne nuit, Isaac. Merci d'être passé. Ça fait très plaisir. Rendez-vous demain, 16h, pour la suite de Kingdom Hearts, hein, si ça vous intéresse. Ok, donc là, je vois un truc pour interagir, très bien. Nope. Soupla, 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 soupla. Ok, donc on est sur 3 niveaux. Ok, il y a peut-être quelque chose là que je vais pouvoir faire. Ok, avant de faire ça, s'il te plaît, tu vas juste aller voir ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Donc à mon avis, ça commence ici. Faut peut-être 19 zombies. Ouais, ça pourrait être quelque chose. Moi, je croyais que c'était du temps. Je le cache pas. Attendez, est-ce que... C'est quoi ça? Rien. Alors, du coup.
Ok. Hop là. Attendez, on a assez de... J'ai pas loupé quelque chose. Bonne nuit aux deux H, merci d'être passé. Bon, Nox, tu pourrais te lever avant 16h quand même, please. Hein? Please, please, please. Allez. Ok, en effet, on nage plus vite. J'ai pas besoin de tapoter, c'est tant mieux pour moi, j'ai envie de vous dire. Vas-y, remonte, petit garçon. Remonte, remonte, remonte. On a assez ou pas? Oui. Ok. Descends. Est-ce que je peux interagir là? Non. Ok, je veux juste, s'il te plaît, que tu fasses. Oup, 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 et que tu ailles tout en bas. On va voir s'il n'y aurait pas quelque chose. Nope. Alors, tu remontes. Vite, 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 dépêche-toi. Allez, allez, allez! Yeah! Eh bien écoutez, j'ai pas compris ce qu'il faut faire. Ah d'accord, tu peux monter, d'accord. No suicide, très bien. Ok, après tu fais... Hop là, parfait. Hop là, hop là. J'aime beaucoup le jeu de lumière sur ce jeu, vraiment. Hop là, yes, ça passe, parfait. Alors, il suffit de pas tomber. Ok. Il suffit de pas tomber. Ok. Et là, normalement, on pourra pouvoir faire quelque chose. Voilà. What? Ah, ils nous suivent. Ok. Ah, c'est intéressant, j'aime bien. Donc là, vous avez peut-être raison disant qu'il faut 19 zombies, hein. Genre par exemple, vous voyez? Là. Wow, classe! Oh! Et après, on va aller les chercher avec eux. Oh là là. Et sérieusement, c'est trop bien. J'aime beaucoup. Heureusement que c'est bloqué, ce que je me disais. Ok, parfait. Vas-y, tu remontes. Très bien. Allez, venez. Alors là, vous voyez, nous avons Onox, nous avons Benjamin, nous avons Dubois, nous avons Alfira, nous avons... Bref. Du coup, maintenant qu'on a du monde, est-ce qu'on pourrait pas faire des choses ensemble? Du genre, là vous pouvez monter normalement, non? Ok, et ça me sert à faire quoi ici? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a quelque chose à droite? Non. Est-ce que je peux refermer ça? Non. Est-ce que je peux ouvrir ça? Est-ce que je peux l'ouvrir? Non. J'ai pas l'impression. Je martèle le bouton. Ça me rappelle les Pikmin, oui? Ah, je ne peux pas non le fermer. Quand je voudrais voir quelque chose, c'est si je fais ça.
Je me rappelle plus si le camion c'était à ce niveau-là ou l'autre. Allez, venez, 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 venez. Ok, donc je vois un trou là. Alors. Tirons-le de l'autre côté. Ok. Je sais pas trop ce que je peux faire, mais. Je peux pas interagir, hein, non. Ok. Nous avons Adranotalia, Banano, Speedy et Sorcière. Oh mon dieu. Alors, je sais pas s'il faut faire ça maintenant ou pas, mais je préfère regarder. On ne sait jamais. Et je voudrais voir ce qu'il y a dedans déjà. C'est ce que je veux dire? Ah, mais pourquoi ils ont poussé? Ok, donc il y a forcément quelque chose à faire, parfait. Allez, go! Go! Attaque, attaque, attaque! Moi aussi, je me disais c'est large, mais à chaque fois, je me lève trop tard. J'en pense trop à Squeezie qui disait les tout mous. Sur ce jeu, c'est pas Squeezie qui disait ça. Donc là, on aura fait tout le bas, non? Ok. Ah, il y en a là. D'accord. Ok. J'ai envie de dire. Ah d'accord, j'ai compris. Tu fais hop, tu fais hop. Ah, ça veut pas. Non. Il me manque quelque chose. Est-ce que vous avez selon vous une technique ou quelque chose, je sais pas. Je ronronne. What? Pourquoi je serais devenu un chat? Trop bas, mais on est bien d'accord que attendez, hop. Alors. Place la caisse en dessous de la boîte qui s'élève.
Et c'est que vous êtes très intelligent. Voilà. Et après, tu fais bam. Et tu t'agrippes comme ça. Voilà. Oh. Super. Classe. Merci pour les conseils. Pronolax en particulier. Allez, go. Venez avec moi, ma fidèle armée. Allez, allez, allez. Alors là, nous avons Mookie. Je sais pas, moi, Didix et... Et Mew? Allez, venez. Viendez, viendez, viendez. Du coup. Voilà, d'accord. Donc, pour moi, on a fait tout le bas, hein. On est d'accord. On a fait tout le bas. Ici, bah finalement, c'est bon. Donc on va pouvoir peut-être remonter. À gauche, la partie au milieu, on l'a faite, hein, c'est d'où on arrive. Donc là, on va aller voir à droite, sinon il faudra monter. On va voir. Hein. Ah, mais attendez. Rappelez-vous, au tout début de la zone, il y en avait un qui était tout seul. Ne pas l'oublier. Ne pas l'oublier. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Je suis sûr, 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 sûr. Voilà, celui-là. Eh, venez m'aider. Parfait. Ok, et... nouvelle énigme. Ok, eux restent là. Et ok, et je vois le truc ici. Alors, est-ce que... Oui, je peux remonter, parfait. Est-ce que je peux interagir? Non. Parfait. Ok. Ok, il va falloir calculer le bon angle. Ah, on y était presque. On y était presque. Non, faut pas que ça. Ok, faut pas que ça bute. Genre maintenant. Et je dirais maintenant. Oh. Demande-leur de faire un pont avec leur corps. T'es youtubeur après tout. Peut-être là. Ça passe, ça passe, ça passe. Yeah! Ça passe. Parfait. Yeah! Parfait. Et je vous propose qu'on fasse les... Donc nous, on est arrivé de gauche, hein, c'est ça? Oh, regarde, la populace, quoi. Salut! Donc, tout en bas à gauche, on a fait. Tout en bas à droite, on a fait. Partie de gauche, on a faite. J'aimerais bien voir la partie de droite pour voir un petit peu ce que nous avons. Qu'en effet, il en fallait 19. Hein. Vous avez bien, vous avez bien une bonne théorie. Hein. 19 zombies. Bon, là, on les a pas. Hein. Et j'adore la petite armée, quoi. Trop marrant.
Vraiment. Quinze, huit, sept, six, cinq. Ok, il en manque cinq. Allez, venez. Venez, 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 venez. Ok, nous en manque cinq. Bon. Allez, tout le monde, en formation. Non, mais non, 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 non. Laissez-moi tranquille. Voilà. Allez, go. Côté gauche ou côté droit? Allez, va pour la gauche, on va voir un petit peu ce que nous avons. On va avoir autant de zombies que de viewers tout à l'heure, vous allez voir. Ok, classiquement, là, tu pousses. J'aurais dû peut-être le faire avant. Ok. La bonne question maintenant, c'est on les retrouvera à l'étage du dessous. Ça paraît logique. Maintenant, le côté droit. Rends l'argent aux abonnés, rends l'argent aux abonnés. Regardez, vous êtes tous en train de me suivre là. Ok. Hello? Ok, d'accord. Donc lui, il va interagir, très bien. Ok, il faut juste le pousser, je suppose. Allez, viens, viens, copain. Viens, 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 viens. Ah, c'est ça, par contre, c'est. Ah, mon Dieu. Eh, 19, parce que 19. Voilà. Après, tu fais zoup là. Parfait. Vous venez tous avec moi. Tous les petits abonnés viennent. Après cette phase, je connais le jeu. Je pense que je vais pas trop tarder à m'arrêter. Hein. Je vous avais dit une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, tu redescends ici. On va chercher les zombies de gauche. Parfait. Allez, on va chercher. Ils sont tombés ici. Hein. Oui, ils sont tombés ici. Parfait. Coucou, on est là. Réveillez-vous. Ok, vous nous suivez? Allez, venez les fanboys et les fangirls. On y va, on y va, on y va, on y va. Suivez-moi, je suis votre guide. Voilà. Je suis votre guide. Vous avez confiance en moi. Tout va bien. N'empêche que ça fait du monde, hein. Ok, est-ce que notre copain qu'on a balancé à droite se réveille? Ok, bah 2, 1 avec moi, c'est ça? Ok, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qui se passe là? C'est la guerre ou... Oh oh. Ouais, mais c'est la guerre là. What? Il est où, Banano? Ah, est-ce que... Non, je ne peux pas... Ok, vas-y. Pourquoi?
Ah, mais non, fallait que je remette dans l'autre sens. Mais quel débile! Quel débile! Ok, go! Go, 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 go! Vas-y, 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 vas-y! Bon, je vais attendre quand même clairement que. Ok. Ça passe. Tranquille. Oh là là, c'est trop bien fait. Ouais. On va pas tout comprendre, mais écoutez. Hop là. J'ai envie de dire. Te dire laisse-le là, puis on se prend pas la tête. D'accord. Donc, faudrait le placer où alors? Place-là à peu près du genre là. Ok, et là je suis protégé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Oui, l'environnement est très glauque, hein, je confirme. Le truc, c'est qu'il faut vraiment. Où est-ce que je pourrais le stopper? Allez, dernière énigme, puis après je vais. Je pense que la plaque doit te suivre. Le problème, c'est que j'ai besoin de la plaque. Mais oui, je suis bête, moi. Je fais ça. Trop tôt, là. Trop tôt, bien sûr. Mais est-ce qu'elle va pas nous passer dessus? Non. En fait, faut anticiper, je pense. Non, faut qu'elle soit toujours en mouvement, quoi. Pas évident, hein. Faut avoir le bon timing en fait. Pas le temps. Pourtant j'ai attendu, hein. Vous êtes témoin que j'ai attendu. Mais pourquoi nous donner donc la possibilité de pouvoir le. Ok, ça le stoppe complètement.
vraiment que j'anticipe. Et je peux pas. Faut arrêter la plaque pour la caler avec les salles de son. Oui, faut arrêter la plaque, tout à fait, oui. Et ensuite la relancer. Mais oui, mais comment tu veux que je passe après derrière? Bien que je monte. Ou à moins que. Attendez. Si on la placerait du genre là. Attendez, est-ce que j'étais protégé en haut ou pas là? Parce que j'étais peut-être protégé en haut. C'est peut-être moi qui me. Non, trop tôt. Là, est-ce qu'on est protégé ou pas, là, ici? Oui. Ok, donc faut vraiment... Bon, ok. C'est bon, je l'ai plus ou moins, on va dire. On va attendre. Allez, go. Ok, alors je... Ok. Je comprenais, je pensais, j'avais justement observé la... Hop. Allez, go. Ok. Voyons voir. Voilà, là c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Nickel. Bah voilà. Ça fait plaisir. Ouais. En fait, faut vachement anticiper. Ouais. Hop, et tu sautes à droite. Hop. Voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ok, les amis. Alors, du coup, si je fais charger... Ouais, bah écoutez, on a sauvegardé, donc au bon moment. Parfait. Du coup, paramètres. On regarde alors, du coup, charger... Je pense qu'on a fait... On a fait la moitié pour moi. Ouais, on a fait la moitié, donc c'est plutôt très sympathique. Parfait. Du coup... Je peux pas, genre, me redonner sur le... Bon, bah, écoutez, hein. Le jeu ne veut pas me remettre sur l'écran des options, donc... Bah. Ok, bah j'espère que ces deux streams vous auront plu. Donc la fin de Limbo, je vous rappelle. Disponible, je pense, dimanche en rediff. Et ce premier live sur Inside. La suite d'Inside, ce sera pour vous vendredi prochain, 22h. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. Merci pour vos conseils qui ont été pour moi
primordiaux. Vraiment, je pèse mes mots. J'allais dire merci pour la modération au début, mais après, il n'y en a plus trop eu. Passez une bonne nuit. On se retrouve demain 16h pour la suite de Kingdom Hearts, où nous allons faire, bien sûr, la forteresse oubliée, le début. Bonne nuit, reposez-vous bien, je vous fais plein de bisous, et je vous dis donc à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.